La réputée de Longueuil, Saint-Hubert. Monsieur le Président, il n'y a pas juste le ministre des Finances qui est déconnecté. Malheureusement, il y a aussi le ministre du Patrimoine. Mardi, en réponse à un rapport du comité du patrimoine qui demandait des actions concrètes pour les industries de la culture et des médias, le ministre a dit « explorer des options ». Après 2 consultations, 3 rapports et 3 000 personnes consultées pendant 18 mois, il me semble que le portrait devrait être assez clair. La situation est critique et la ministre doit agir maintenant. Mais sa réponse, c'est de renvoyer la balle au CRTC pour qu'ils explorent des options dans un an, Monsieur le Président. Mais faire sa job, il faut réaliser qu'il y a une urgence ici. Quand est-ce qu'elle va se réveiller et entendre les gens qu'elle doit protéger? C'est la ministre du Patrimoine. Madame la secrétaire parlementaire à la ministre du Patrimoine. Merci, Monsieur le Président, et je veux remercier cette députée de cette question et de son travail sur le comité. Lors de nos consultations et dans la foulée des excellents travaux du Comité permanent du patrimoine canadien, on a entendu les Canadiens insister sur l'importance des nouvelles et de l'information locale. Notre approche sera guidée par les 2 principes. Une démocratie saine dépend d'un contenu journalistique fiable et les mesures prises par le gouvernement doivent respecter l'indépendance des médias. Nous remercions encore le comité et ce député-là.